Bonjour et bienvenue sur cette présentation en ligne concernant le brevet fédéral de premier degré d'initiateur Cross Training Force, formation qui va se dérouler en ligne. Je vais commencer par une petite introduction, ensuite on va faire les présentations. Je vous présenterai la formation en ligne, en quoi elle consiste, ce qu'elle va vous apporter, etc. Et je vais vous parler d'un petit sujet parce que quitte à faire une petite vidéo, autant aller un petit peu plus loin et discuter d'un sujet qui pourrait vous intéresser, donc les tests, les correctifs, comment corriger quelqu'un au niveau de sa posture, de ses mouvements, etc. Et la programmation sportive. Donc voilà, et après on pourra conclure. Alors déjà, je vais vous présenter le Cross Training Force. Qu'est-ce que c'est le Cross Training Force? C'est une discipline qui appartient à la Fédération des clubs de la défense, mais qui est aussi diffusée au sein de la Fédération de force athlétique. Donc les gens qui ont le brevet fédéral de premier degré sont reconnus dans ces deux fédérations. Au-delà du fait que ce soit un brevet fédéral, donc qui est reconnu pour l'enseignement, vous pouvez enseigner avec ce brevet fédéral, en tout cas en France, vous savez qu'il faut au minimum un brevet fédéral pour pouvoir enseigner. Ce brevet fédéral va constituer vraiment un surplus dans votre curriculum vitae. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement une des seules formations en France qui regroupe du sport, du mental, en parlant de tout ce qui est lié au mental, hein, au développement personnel, mais aussi à la préparation mentale, lié à la nutrition et lié au postural. Alors, qu'est-ce que c'est le postural? Ce n'est pas que faire de la mobilité, ce n'est pas que de faire du renforcement musculaire très lent, c'est également tout ce qui est rééquilibrer le corps et reprogrammer le cerveau. Et ça, on vous l'apprend au cours de trois brevets fédéraux qui sont vraiment complets. Dans cette petite introduction, moi j'ai décidé de vous présenter en fait la définition de la santé et comment on s'articule en fin de compte dans le Cross Training Force, une partie de notre philosophie qui se retrouve dans cette définition. La santé, elle a été définie comme telle par l'Organisme mondial de la santé. Donc la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de maladie grave ou que vous n'avez pas un bras en moins ou une jambe en moins, que vous êtes en bonne santé. Pour cela, ça doit s'articuler autour de trois piliers fondamentaux. Tout ce qui est physique, donc ce qui peut regrouper la posture, mais aussi la fatigue, la force, la stabilité, la mobilité, l'explosivité, etc. Il y a aussi le mental, tout ce qui va être émotionnel, la confiance en soi, on va parler de cohérence cardiaque, etc., etc. Et aussi le social. Le social, c'est tout ce qui va être vous regrouper autour de vous, le développement personnel, le travail, la famille, les amis, votre niveau d'argent, etc., etc., etc. Et en fait, chaque sphère a un impact sur l'autre. Par exemple, si demain vous êtes amoureux, c'est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, et cette personne vous quitte. Donc socialement, ben, vous allez perdre déjà en amour. Physiquement, vous risquez bah, déjà de vous laisser aller. Okay? Vous risquez d'aller directement vous jeter sur les pots de glace, etc. Donc vous risquez de grossir. Et mentalement, forcément, au niveau émotionnel, vous êtes au plus bas. Donc cette interaction sociale a un lien sur votre mental et votre physique. Et on pourrait trouver des exemples dans tous les domaines. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ben cette personne, vous savez que souvent les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils sont tout petits comme ça. Donc ils vont se renfermer vers l'intérieur, avec toutes les douleurs qui peuvent être liées après à ce renfermement vers l'intérieur. Socialement, du coup, ils vont se retrouver distancés des autres. Et ainsi de suite, on peut trouver X raisons différentes, X facteurs différents qui peuvent influencer les uns sur les autres. Donc voilà, quand vous prenez quelqu'un déjà en charge, quand vous avez un sportif qui vient vous voir, ou même une personne lambda qui vient vous voir avec une problématique, il va falloir régler sa problématique dans toutes les sphères. Et du coup, c'est pour ça que la formation est si complète, parce qu'on ne peut pas se résoudre à juste faire du sport et tout va aller mieux. Il va falloir des fois gérer autre chose aussi. Les petites présentations, je vais vous présenter
mon camarade avec qui nous avons co-créé le Cross Training Force, c'est Sébastien Cordelette. Il est conseiller technique sportif national au sein de la FCD. Il est également conseiller sport et handicap auprès du commissaire des sports militaires au CNSD de Fontainebleau. Il est coach personnel et professionnel diplômé d'État. Il est coach en nutrition certifié. Il est éducateur sportif diplômé d'État, préparateur physique, éducateur sport santé certifié et il est accompagnant en réflexe archaïque. Il a aussi un gros bagage en tout ce qui est force athlétique, haltérophilie, dans lesquelles il a été compétiteur, et kettlebell, dans lesquelles, toutes ces disciplines dans lesquelles il s'est aussi formé. Pour ma part, je m'appelle Adrien Chartier, je suis conseiller technique sportif national également au sein de la FCD. Je suis coach sportif diplômé d'État, préparateur physique. Je suis également préparateur mental, sophrologue, praticien en hypnose, en EFT, en communication non violente. Je suis posturologue, praticien en rééquilibrage postural et neurofonctionnel, et je suis certifié en nutrition santé. En gros, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a beaucoup de formations. Donc, Sébastien en cumule énormément, je ne sais plus combien exactement. J'en cumule plus de 40 de formations, de certifications, et je rajoute à tout ça les séminaires, les stages, etc. que j'ai pu faire. L'idée, c'est à chaque fois qu'on a voulu comprendre comment il fallait prendre en charge quelqu'un, il a fallu qu'on se forme énormément de fois, dans énormément de disciplines, et en mettant surtout énormément d'argent en jeu. Par exemple, la sophrologie, c'est 4 000 euros. Voilà, l'hypnose, vous regardez en ligne, c'est plus de 2 000 euros pour être praticien en hypnose. Et puis après, voilà, les brevets d'État, c'est vous pouvez compter entre 3 000 et 6 000 euros pour un brevet d'État, et j'en ai trois. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément d'argent et de temps qui ont été passés dans cette compréhension de l'être humain et du sportif et comment mieux le gérer. Nous, ce qu'on a voulu faire quand on s'est rencontrés, c'est qu'on a voulu regrouper tout ça en trois brevets fédéraux. Et dans ces trois brevets fédéraux, on va vous expliquer toutes les bases de ce que nous, on a mis des années à apprendre, des années d'expérience. Toutes les études mises à jour sont dans cette formation. Donc voilà, vous avez avec cette formation fédérale le must du must. La formation, comment elle se découpe? Bah déjà, elle se découpe en, on va dire, deux grosses parties. La première partie, c'est sur une formation en ligne. Alors, si maintenant vous ne voulez pas le diplôme fédéral, que vous voulez juste améliorer vos connaissances, c'est possible. Vous venez, vous faites la formation en ligne et vous repartez. Voilà, ça sera fini. Si vous voulez le diplôme fédéral, donc le diplôme qui est reconnu par la Fédération des clubs de la Défense et qui vous permettra d'accéder plus tard à un brevet fédéral de deuxième degré et de troisième degré, il va falloir venir faire en présentiel un jour et demi. Dans lesquels qui vont comprendre une grosse journée de révision en fonction de ce que vous voudrez revoir et de la révision fédérale. On va revoir un petit peu tout ce qui a été vu en ligne et une demi-journée d'évaluation au cours desquelles vous allez passer à l'écrit, puis après vous allez passer en coaching et en entretien individuel. Et à l'issue, vous aurez ou pas le brevet fédéral. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on fait une grosse partie en ligne que ce brevet fédéral est donné. Nous espérons quand même un gage de qualité minimum dans ce brevet fédéral. Sur la plateforme en ligne, il va y avoir donc des cours théoriques et des cours pratiques. Dans les cours théoriques, il va y avoir tout ce qui est approche prophylactique. Donc c'est la compréhension de comment le corps fonctionne et comment on peut l'améliorer. Okay? Et surtout pour ne pas se blesser sur le long terme. Vous allez avoir l'approche anatomie physiologie de base qu'il faut avoir pour comprendre comment on encadre une séance et comment fonctionnent les gens. Vous allez avoir un petit laïus sur les blessures. Vous allez comprendre les bases du cross training force, comment fonctionne notre philosophie et comment on prescrit le travail. Les outils du cross training force, donc les différents outils que vous pourrez avoir au sein du cross training force. Vous allez voir également comment on peut faire une initiation sportive. Puis après, vous allez avoir des cours pratiques en ligne avec du poids du corps, du kettlebell, force athlétique, haltérophilie. Et pourquoi on met tout ça en ligne? Parce qu'on s'est aperçu, ça fait 4 ans que nous formons, on a formé bien plus d'une centaine de personnes et ça fait, Sébastien comme moi, plus de 15 ans qu'on est éducateur sportif. On a pu voir beaucoup de gens faire des techniques de la mauvaise manière, dans des mauvaises positions. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est redonner la base du mouvement. Après, vous allez pouvoir retravailler là-dessus.
Mais c'est pas tout en fait. La formation, je vous ai mis un petit imprimé écran de la formation, comment elle se constitue. Donc on peut voir, il y a plusieurs modules à valider. Il y aura bien sûr un quiz final en ligne qui va compter pour la moyenne. Hein. Et alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'on a un quiz en ligne? Si c'était la formation en présentiel, il n'y aurait pas de quiz en ligne. Alors il faut savoir que la formation en présentiel, le premier jour de formation, ils ont un questionnaire. Et ce questionnaire, c'est en rapport avec des documents qu'on a envoyés en amont du stage. Donc voilà, c'est ça que vous allez avoir dans ce quiz en ligne. Donc vous n'êtes pas lésé par rapport à quelqu'un qui est en présentiel et lui non plus n'est pas lésé par rapport à quelqu'un qui fait la formation en ligne. Sauf que là, vous aurez les documents pour vous en inspirer. L'objectif, ce n'est pas de vous piéger, mais c'est de vous aider à peut-être vous remettre en question et changer votre approche par rapport au sport. Donc après toutes ces modules qu'on a vus, on a rajouté un module, c'est les lectures, des lectures qu'on vous conseille. Et on a rajouté des modules qui sont du coup des modules payants en bonus avec les cours du BF2 et BF3. Ce sont des cours théoriques. Donc là-dedans, vous pourrez aller plus loin pour les gens bah, qui ne vont peut-être pas venir tout simplement, qui voudront aller un peu plus vite avant de passer en présentiel le BF2 et BF3. Bah, vous aurez quelques cours là-dedans. Alors, il n'y a pas les cours pratiques du BF2, BF3, mais il y a tous les cours théoriques. Alors, il y a juste un cours du BF3. Je me suis amusé à voir combien ça m'avait coûté en termes de formation. Je ne parle même pas de temps, mais de formation. Parce que le temps, on pourrait dire le temps de formation, de se déplacer, le temps de mettre en pratique et d'avoir des retours là-dessus. Donc là, c'est des années, bien sûr, de pratique. Il y a juste un cours, il vaut plus de 3000 euros. Donc voilà, donc là vous le trouverez en bonus 220 euros sur la plateforme en ligne. Donc c'est plutôt correct. Et vous trouverez le livre Cross Training Force en PDF accessible directement sur le site. Ce livre est en vente auprès de Amazon pour les gens qui aiment avoir un bouquin relié. Donc j'en fais partie, hein, j'aime pas avoir des bouquins en ligne en PDF, mais je sais que le e-book c'est à la mode et donc on se devait de proposer également ce e-book en ligne. Donc voilà, tout ce que vous allez retrouver, c'est tout simplement énorme. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à voir dans cette formation. Bien sûr, si vous validez l'ensemble de cette formation, que vous venez et que vous réussissez le BF1, si vous voulez faire le BF2, BF3, il faut savoir que il y a un BF2 tous les ans, donc il faut des prérequis pour les valider. Pourquoi? Parce qu'on met quand même un certain niveau pour pouvoir filtrer les gens qui viennent au BF2, tout simplement, hein, pour se dire bah, les gens qui viennent au BF2, ils ont déjà un bon niveau avancé, parce que le BF2, c'est très demandeur, c'est très complet, que ce soit au niveau pratique, au niveau théorique, on demande beaucoup de choses aux gens qui viennent le passer, et le BF3, c'est encore plus haut, encore plus demandeur, donc avec un suivi à faire sur plusieurs mois à l'issue du BF3. Donc, il faut quand même que les gens soient armés pour pouvoir suivre la suite. Et pourquoi? Parce que quand vous allez être éducateur sportif dans votre salle, ben, il faut quand même connaître un minimum. Vous pouvez pas, vous allez avoir du mal à démontrer comment faire des tractions si vous n'arrivez pas à en faire 3-4 correctement. Donc voilà pourquoi on place des prérequis sur le BF2. Maintenant, je vais venir sur le petit cours bonus. Là, on a fait une présentation rapide et je reste bien sûr disponible si vous avez d'autres questions. On va parler des tests sportifs. Ça fait partie des cours des cours du BF3. Pourquoi tester? Je sais qu'il y a très peu de gens, très peu de clubs qui effectuent des tests sportifs. Pourtant, dans le haut niveau, les tests sportifs sont toujours là. Même pas forcément dans le haut niveau, parce qu'on voit certaines disciplines sportives comme le foot, le basket, qui font des tests en amont de saison. Le problème, c'est qu'on fait des tests, mais si après on ne se base pas dessus pour travailler, ça ne sert à rien. Mais à quoi va servir ces tests sportifs que vous allez mettre en œuvre? Tout simplement à évaluer la condition physique à un instant T de vos sportifs. On va évaluer ses forces et ses faiblesses. C'est comme ça qu'on va faire progresser quelqu'un. On voit ses forces, on voit ses faiblesses, on va améliorer toutes ses faiblesses et du coup on va avoir un sportif complet et fort. Ça va nous permettre aussi de suivre l'évolution du sportif. Est-ce que notre programmation a été correcte jusque-là
Ou est-ce que ça n'a pas marché? Au contraire, on a fait baisser des qualités sportives à gauche, à droite, etc. On va se réajuster. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de régulièrement placer des tests sportifs. Et ensuite, c'est ce qui va nous permettre de planifier. En fonction d'un niveau d'un sportif, eh ben, on va pouvoir planifier, placer certains exercices dans la progression, accentuer sur d'autres exercices. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un sportif vraiment complet et qui va pouvoir vraiment proposer quelque chose de complet et de concret au niveau compétitif. Ce qu'on peut se demander, c'est vous, est-ce que vous avez déjà effectué des tests sportifs? Que ce soit vous en tant que moniteur ou même en tant que sportif, est-ce qu'on vous a déjà donné des tests sportifs à faire? Et est-ce que vous avez déjà testé vos sportifs? Sinon, comment vous pouvez dire qu'une personne est prête à aller faire de la compétition? Ou comment vous pouvez dire qu'une personne ne va pas se blesser si vous ne l'avez jamais testé, vous ne connaissez pas ses forces et ses faiblesses? Donc c'est vraiment primordial de tester un sportif. Comment tester? Ben, il y a un ordre. On va toujours commencer par un questionnaire lambda, mais qui va pouvoir regrouper nom, prénom, l'âge, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, les blessures actuelles ou passées. Qu'est-ce que tu as déjà eu comme blessure? Même il y a 10 ans, ça peut encore avoir un impact, hein. On sait quand même que 50% des blessures interviennent suite à des blessures qui avaient mal été guéries par le passé. Donc si vous avez déjà eu une entorse à la cheville, vous risquez fortement d'avoir de nouveau une entorse à la cheville si elle a mal été consolidée. Donc là, sur ce test, rien que sur une question, votre coach sportif va pouvoir déjà voir sur quoi il va devoir axer sa programmation avec vous. Et puis on peut demander tout plein de choses. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez l'alcool? Est-ce que vous... voilà, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ensuite, on va passer sur des tests anthropométriques et posturaux. Donc, on va prendre des photos, par exemple, des quatre directions, hein, devant, sur le côté, derrière, des photos de haut. On va voir s'il y a des déséquilibres, des rotations, des inclinaisons du corps, etc. Si les genoux rentrent vers l'intérieur, s'il a les pieds plats, ne serait-ce qu'au niveau des yeux, s'il y a un problème de binocularité. Et donc, voilà, c'est tout ça qui va nous permettre déjà de dresser un portrait à l'instant T de la personne. Mais en plus, ça va nous permettre d'avoir une archive. Tiens, tel jour j'ai fait une photo d'un tel, il avait à peu près 30% de masse grasse, hein, à vue d'œil, et je vais faire la photo 6 mois après au niveau de l'entraînement, et puis ça va vous faire un avant-après. Tiens, qu'est-ce qu'on a amélioré? Tiens, il se tient plus droit, bah, top, voilà, on a réussi à bien programmer notre entraînement. Tests posturaux, on va en parler un petit peu après, c'est tout ce qui est postural et neurofonctionnel. Les tests fonctionnels, comme par exemple un squat profond. C'est le test que j'aime bien placer parce qu'en fait, il permet en un seul test de voir rapidement des problèmes de mobilité, de stabilité, etc. à plusieurs étages. Un test de souplesse, on dit 5 maximum. Moi, j'en mets un. Voilà, j'en mets un seul. Et ça me donne quand même une bonne idée de la souplesse d'un adhérent. Ça sert à rien de surcharger en fait le nombre de tests qu'on va faire. Il faut aller de manière concrète, facile et efficace. Pourquoi? Parce que ces tests peuvent être reproductibles rapidement. Ensuite, des tests de vitesse et explosivité, des forces ou puissance max, des tests de vitesse prolongée, de force endurance et puissance lactique, et en capacité aussi énergétique. Et donc, on va essayer de construire tout plein de tests comme ça par rapport à toutes ces petites étapes que je vous ai données. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir nos propres tests. Donc, c'est vrai qu'au Cross Training Force, on a pris des tests qui sont très facilement reproductibles et que vous pouvez tous faire de chez vous ou dans vos salles sans aucun matériel. Parce que souvent, c'est oui, tu peux tester la force vitesse, mais il faut que tu achètes tel truc. Alors vous allez me dire, oui, ok, il y a certaines applications qui coûtent 10 euros, c'est pas bien cher, mais 10 euros pour ça, plus 50 euros pour ça, plus 20 euros pour ça, etc. Bah, dans les petites structures, il n'y a pas forcément les moyens tout le temps. Surtout pour des sportifs qui ne visent pas non plus les Jeux Olympiques, donc il n'y a pas besoin non plus d'investir 300 euros dans une machine pour tester quelqu'un. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'efficace qui va nous permettre de voir à un moment T les capacités de la personne. L'idée avec ces tests, c'est toujours de les fidéliser. C'est toujours le même échauffement, toujours le même ordre et toujours la même récupération pendant ces tests. Et je rajouterai même, il faut que la personne soit toujours dans le même état physique. Si vous le faites tout le temps le matin, il faut que ça soit le matin. Si la personne la veille, elle a fait la fête, ben, il faudrait qu'elle fasse la fête tous les veilles de tests pour être sûr en fait, du rendu, quoi. Donc voilà.
Et divers, il faut des explications avant et après les tests. On explique ce qu'on attend dans les tests et on explique aussi à la fin. Des petits exemples de tests, bien sûr, anthropométrie et posturaux. Donc là, une photo dans les trois plans de l'espace. Là, on voit par exemple, bon, on ne le voit pas forcément là sur la photo, mais on peut le deviner que Kylian a les pieds qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Hein, il a les pieds qui rentrent un peu vers l'intérieur ici. On voit qu'il y a des bascules. On voit qu'il est un petit peu là en arrière par rapport à son plan fessier. Et là, on voit qu'il y a des rotations. Donc là, on se dit, OK, il y a déjà des choses à corriger. Alors peut-être que c'est postural, peut-être que c'est neuro, donc lié à la neurologie fonctionnelle, peut-être que c'est des déséquilibres musculaires. Donc il va falloir corriger tout ça. Alors, vous allez retrouver souvent des personnes de toute façon en rotation. Pourquoi? Parce que les yeux, quand on regarde les yeux d'une personne, qu'on fait un test oculomoteur, on s'aperçoit que les yeux sont souvent faibles. On sait que les yeux vont entraîner des rotations, bascules, inclinaisons, notamment au niveau des épaules. Vous travaillez les yeux de quelqu'un, il va améliorer instantanément sa mobilité. Mais c'est normal parce que les yeux sont directement connectés à tout ce qui est chaîne des épaules, etc., la nuque. Donc voilà, vous allez avoir un gain. Donc forcément, ces rotations, vous allez les retrouver énormément. En plus de ça, les gens oublient énormément de travailler leur plan transversal, le plan horizontal. C'est quand même des plans anatomiques. Tout le monde travaille les plans antéro-postérieurs ou gauche-droite, mais tout le monde oublie de travailler tout ce qui est chaîne en spirale, les chaînes latérales, etc. Donc c'est vraiment une hérésie et c'est pour ça qu'on retrouve des gens qui ont des muscles plus faibles d'un côté par rapport à l'autre. Donc pour comprendre en fait les tests posturo-neuro, il faut se dire il y a le système nerveux central, c'est ce qui vous commande de fonctionner hein, quand vous allez d'un point A à un point B, c'est le système nerveux central qui dit au cerveau, OK, on va aller chercher la balle qui est là-bas et on va taper dedans pour qu'elle aille dans le but. Et ben c'est le système nerveux central qui fait la commande au cerveau. Le problème, c'est que ce système nerveux central, il se développe d'une certaine manière. Et on se rend compte, alors j'ai testé plus d'une centaine de personnes, de toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont pu tester des gens, on n'a jamais vu quelqu'un qui avait intégré la base de cette pyramide du système nerveux central, qui sont le vestibulaire, le proprioceptif et le tactile. Donc voilà. Donc ça fait des centaines et des centaines de personnes qui sont testées, et alors c'est très très rare d'avoir une personne qui matche sur cette base-là. Le problème c'est que si cette base-là n'est pas bonne, proprioceptive, vestibulaire et tactile, comment vous voulez que la personne elle ait un ajustement postural qui se développe au troisième stade, qui est au développement perceptivo-moteur, là sur la droite de la pyramide, ajustement postural. L'ajustement postural, c'est se tenir droit, être équilibré. Comment vous voulez que ceci soit mis en application si déjà la base n'est pas bonne? C'est comme les fondations d'une maison. Si vous construisez une maison, vous mettez directement des murs dans du sol avec dans du sol meuble avec un toit, à un moment ça va s'écrouler dès que le sol il va un peu bouger. Et bien là c'est exactement pareil. On construit d'abord des fondations. Ok? Il faut faire des bonnes fondations de sa maison. Et bien là c'est pareil avec votre corps humain. Et on se rend compte que le proprioceptif c'est pas être sur un bosu et faire le clown. Le proprioceptif c'est la proprioception consciente ou inconsciente, mais il va falloir le tester. Ensuite, il y a le vestibulaire, c'est tout ce qui est. Alors, le système vestibulaire, c'est l'oreille interne, hein, tout ce qui est accéléromètre du corps humain, qui vient aussi activer les chaînes postérieures et tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc, c'est le premier gainage. Il va falloir aussi voir s'il fonctionne bien. Comment vous voulez créer de la stabilisation et une structure forte chez quelqu'un qui ne va pas avoir ceci de développé? Ces muscles le long de la colonne vertébrale, les muscles qui font la fondation du corps, qui permettent d'être durs et de ne pas se déformer sous un poids, s'ils ne sont pas bien développés, comment vous voulez que la personne ne se blesse pas sur le long terme ou même performe? Et le tactile, c'est tout ce qui est niveau sensoriel des mains et des pieds. Pourquoi? Parce que les mains et les pieds, c'est les endroits où il y a le plus de sensoriel au niveau du corps humain et il va falloir vraiment le développer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes. C'est pour ça, souvent, les gens ils disent, ah, mais je suis plus fort du côté droit que gauche, ou alors il fait du soulevé terre et il lâche sa barre, ah, je manque de grip. Ah, des fois, il n'y a pas que le grip. Parce que même si tu travailles ton grip et que tu lâches encore ta barre, c'est que ce n'est pas le grip, c'est que tout simplement, c'est du sensoriel. Okay? Donc, il va falloir retravailler ça. Très, très important.
Pourquoi en plus il faut retravailler cette base? Parce que quand vous voulez développer votre force ou votre explosivité, alors là je parle à tous les gens qui sont fans de travail de force max, hein, ouais il faut que je soulève lourd, etc. Qu'est-ce que vous stimulez? Quelle est la première chose que vous stimulez? C'est votre système nerveux central. N'importe quel débutant qui vient faire de la musculation, la première chose qu'il va stimuler, c'est son système nerveux central. C'est ça qui va vous donner l'information et qui va vous permettre d'être encore meilleur qu'il y a 2 mois, 3 mois en arrière. Donc il va falloir retravailler ce système nerveux central, cette base du système nerveux central, pour pouvoir être meilleur dans toutes ces activités quotidiennes que l'on va retrouver au stade 4. Donc c'est là où on va faire des choses vraiment complexes. Donc on place d'abord une base, on progresse tranquillement et après on place du complexe. Et ça devrait être comme ça dans tout. Donc pour plus d'informations, bah, il y a le BF3, on donne pas mal de choses là-dessus. Donc sur la plateforme en ligne, vous retrouverez des cours là-dessus. Et en plus, il y a les cours de l'Institut IP de Matt Boulet qui expliquent très bien ça dans leurs 3 niveaux de neurologie appliquée à la performance sportive. Exemple de test, dans les tests que moi j'aime bien faire pratiquer, les tests de vitesse agilité. Donc on est sur un entraînement croisé, on veut du changement de direction. Souvent les gens quand ils font des tests sportifs, ils font courir. Allez, tiens, tu vas faire sprint 50 mètres, on te chronomètre, bip. Ou alors un test va-mé-va, vous savez, en rond, on tourne en rond autour d'une piste. Mais on est dans des entraînements croisés, on cherche du fonctionnel. Et le fonctionnel, est-ce courir tout droit sans s'arrêter? Non, le fonctionnel, c'est pouvoir partir en sprintant vers un cône, partir en pas chassé d'un côté, partir en pas chassé de l'autre côté, venir en reculant le plus rapidement possible. On aura bougé dans toutes les directions et là on voit quelque chose de fonctionnel. Donc ça fait partie des tests qu'on propose justement sur la plateforme en ligne. Test aérobie, c'est un peu le même principe. Hein. Nous, on a mis le luc léger. Ah, on aurait pu en mettre plein, mais il en existe plein des tests. Ouais, mais le luc léger, ça tape, nanani, nanana. Oui, c'est vrai, mais le luc léger, il y a du changement de direction à chaque fois. Donc ça tape, c'est sûr, mais ça permet en plus de le reproduire très rapidement. Il vous faut une vingtaine de mètres. Voilà, 20 mètres à peu près pour faire ça avec une bande son qu'on trouve très facilement sur Internet et qu'on vous met en plus sur la plateforme en ligne. Et du coup, vous pouvez réaliser votre test luc léger. Pas besoin d'avoir une piste d'athlétisme ou un terrain de foot pour pouvoir faire votre test aérobie. Donc voilà, ça fait partie, c'est des exemples de tests que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur notre plateforme en ligne. Et voilà un petit peu ce que je voulais, moi, vous apporter sur les tests sportifs. Et je vous conseille vraiment de mettre en place des tests sportifs, au moins avec vos niveaux intermédiaires et avancés. Si vous avez des compétiteurs dans votre salle, il faut qu'ils fassent des tests. Et voilà. Et si tu veux être compétiteur, il faut que tu valides ça dans les tests. Sinon, bah, c'est que tu es encore un peu fébrile. Et un compétiteur, on l'envoie pas à l'abattoir. Non. C'est on le construit et après on l'envoie faire de la perfection, quoi. Alors nous, au niveau des correctifs, qu'est-ce qu'on propose? Alors là, je parle de correctifs général, hein, que ce soit au niveau postural, etc. On voit souvent les gens, et de plus en plus maintenant, c'est quoi les cours? C'est ils vont faire un bloc métabolique très 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 lent, 45 minutes, 1 heure. On ne sait pas encore pourquoi, mais eux ne savent pas pourquoi. Ils vont faire un bloc très long parce que no pain, no gain, il faut absolument s'épuiser plutôt que chercher à progresser. Et par contre, avant, il faut faire au moins une demi-heure de mobilité. Et là, on se trompe. Comment on peut améliorer le mouvement, la mobilité, la stabilité, etc. du corps humain? Bah déjà, il faut recréer de la motricité. C'est déjà vraiment une base. Et vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a passé à la fin. On faut recréer du mouvement de suite après avoir fait plein de choses. La première chose qu'on fait, c'est on relâche le tonus postural. À la fin, par exemple, d'un entraînement, ou si je veux faire ma séance de mobilité, ben, je vais déjà faire un peu de relaxation. Pourquoi? Parce que le tonus musculaire est souvent bien activé, surtout en fonction du moment de la journée, ou alors des tensions psycho-émotionnelles que vous pouvez avoir, ou physiques, ben, votre tonus postural il est élevé. Si votre tonus postural est élevé, votre tonus musculaire, hein, le tonus musculaire c'est quand même une des 5 propriétés biologiques du muscle, s'il est trop élevé, vous n'arriverez pas à faire grand-chose dessus. Donc, première chose, on abaisse le tonus musculaire. On fait un peu de relaxation, type relaxation de Jacobson ou Schultz ou peu importe autre chose. Et ça permet de réapprendre à bien respirer. Ça déjà, moi je le prescris 30 jours de suite de base à toutes les personnes que je suis, que ce soit en reprogrammation posturale ou en sport.
C'est une fois par jour pendant 30 jours, on fait de la relaxation. Et bien sûr, dès qu'on a fini sa séance de sport, c'est la première chose qu'on met en place. On fait de la relaxation pour diminuer le tonus postural. Sinon, ça sert à quoi de faire des automassages et des étirements derrière si vous êtes encore tendu? Donc voilà, ça, première chose à faire dans sa séance de correctif. Deuxième chose, je fais de la neurologie fonctionnelle. Ça veut dire que je vais faire mes exercices de neurofonctionnel, comme on vous montre sur le site, par exemple, que ce soit au BF2 ou BF3. Et tous les jours, je vais les placer, tous les matins, entre 1 et 3 exercices de 1 minute, et je le place avant mon entraînement. Pourquoi je le place avant mon entraînement, ou alors là, pendant la séance de correctif? Parce qu'en fait, on a remarqué que l'échauffement neurologique était supérieur à l'échauffement cardiovasculaire qu'on fait d'habitude. Donc voilà, donc il faut absolument placer de l'échauffement neurofonctionnel en amont de l'entraînement. Je ne dis pas que le reste de l'échauffement, ce qu'on voyait avant, n'était pas bon. Sauf qu'il faut modifier, il faut faire un échauffement différent. Et c'est ce que vous voyez au BF2 sur la plateforme de formation. Donc, je fais mes petits exercices neurofonctionnels. Il y en a 1 à 3 en fonction de mes déséquilibres hein, qu'on va tester, bien sûr. Ensuite, je vais faire mes automassages. Je vais rester 30 secondes à 2 minutes par muscle, okay, pour bien dénouer les muscles. Je continue à avoir une bonne respiration relaxante pour pas créer plus de tension au niveau musculaire. Et on va essayer de cibler toutes les chaînes musculaires. Donc ça va être sur la séance cool. En échauffement, nous, ce qu'on privilégie, c'est 30 secondes en dessous de chaque voûte plantaire. Alors pourquoi? Parce que ça permet de retravailler le tactile du pied, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça permet également de retravailler le proprioceptif, de travailler la mobilité. Et avant la séance, 30 secondes sous chaque pied, boum, c'est nickel. On gagne dans tous ces domaines-là. On fait 2-3 exercices neurofonctionnels. On fait notre petit échauffement articulaire, cardiovasculaire et spécifique. Et en 15 minutes, on a fait un échauffement qui est complet et qui nous évitera et éloignera de la blessure. L'automassage, avant l'entraînement, on se limitera à ça. Ok? Il y avait une étude scientifique qui était parue, c'était en 2018, sur les problèmes d'activation de l'antagoniste au niveau de l'automassage. Et ça pourrait, je dis bien ça pourrait, parce qu'il faudrait d'autres études pour le prouver, mais c'est toujours pareil, on essaie d'avoir un ratio risque-bénéfice, ça pourrait entraîner une perte une perte au niveau de la qualité du recrutement musculaire, en fait, quand on va faire de l'automassage complet avant un échauffement, donc on va se limiter au pied et ça suffit. Ça vous évite de passer 10 minutes sur de la mobilité. Ensuite, tout ce qui est étirement tracté, alors de manière active, je préfère la mobilisation, la mobilité active, c'est toujours mieux dynamique, hein. C'est toujours mieux que rester pendant 3 minutes sur le même mouvement. Ça, on va le faire 10 secondes quand c'est en échauffement. On peut y aller jusqu'à 2 minutes quand on est dans notre séance de correctif. Et ensuite, on va recréer du mouvement. Par exemple, vous avez un problème de mobilité au niveau de la cheville. Vous allez faire votre relaxation. Vous allez faire des exercices neuro liés au tactile du pied. Donc, vous pouvez très bien même placer de l'automassage hein, sous le pied. En plus, après, on peut faire de l'automassage 2 minutes sur tout le mollet. Ensuite, on va passer tout ce qui est étirement tracté, étirement sur le mollet. Mais tout de suite après, on va refaire du mouvement. On va faire des squats en amplitude le plus complète possible pour faire comprendre en fin de compte au cerveau que notre objectif, c'est le mouvement. C'est pas juste de faire de l'étirement pour faire de l'étirement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un problème. Le cerveau, il est fait pour bouger. Donc, il va falloir le recréer du mouvement de suite après. Voilà, pour ce qui est des prescriptions que nous donnons au niveau des correctifs au Cross Training Force. Comment programmer après? Alors, je ne vais pas faire un laïus énorme parce que la programmation sportive, ça peut durer pendant des heures et des heures. Pour ça, vous avez ce qu'il faut en ligne maintenant. On part toujours d'un objectif, on fait un rétro-planning. Okay, on place ces différents cycles. Donc, je pars, mon objectif, c'est le jour J de ma compétition, de mon concours ou peu importe, hein, l'objectif final que je me suis donné. Et donc, ce qui nécessite de placer un objectif doit toujours être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel et écologique, économique pour la personne. Et on place ces cycles en rétro-planning. Donc, par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, pourquoi je vous ai mis un puzzle en dessous, parce que c'est vraiment un puzzle, la performance sportive et la programmation. Ce qui va fonctionner avec vous ne va peut-être pas fonctionner avec votre voisin et il va falloir à chaque fois s'ajuster. Mais par exemple, ce qu'on pourrait voir, bah,
On pourrait très bien faire un début de saison en endurance de force pour créer du volume de travail, pour habituer les ligaments et les tendons à travailler. Ensuite, on va passer sur l'hypertrophie fonctionnelle. Si vous voulez prendre un peu de masse, mais de masse musculaire qui va servir à quelque chose, parce que l'hypertrophie fonctionnelle, c'est à la fois de la masse musculaire et de la force. Ça va vous permettre de gagner un petit peu aussi en force, de soulever plus lourd. Ensuite, on va passer sur de la force max. On va pouvoir passer sur de l'explosivité, revenir sur de la force max, de la puissance, de la force max, de la vitesse. On pourrait faire comme ça, ou alors imbriquer plusieurs choses dans le même cycle. Il y a X façons de faire. Donc voilà, ça c'est une façon de faire qui est déjà bien reconnue, qui fonctionne même sur des niveaux avancés. Donc avant de changer et de vouloir faire ah, je suis à la mode, je veux faire la programmation non linéaire, etc. Bon, attendez, il y a des choses qui ont marché depuis des années. Ok, si maintenant ça marche plus sur toi, on va ajuster. Si tu es vraiment un professionnel et que tu sais t'écouter, on va peut-être pouvoir adapter à la séance. Mais en attendant, fais quelque chose qui fonctionne réellement sur toi. Surtout quand on a un objectif sur le long terme, qu'on veut l'atteindre. Voilà, ça nous permet d'avoir un rétro-planning assez facile à mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple dans une programmation? Il y a des basiques à avoir. Il faut travailler de manière unilatérale. Essayer de placer un ratio unilatéral-bilatéral. Okay, pourquoi? Parce que la plupart des mouvements sportifs se font de manière unilatérale. Le boxeur, il frappe pas les deux mains comme ça en même temps. Hein, ça, c'est dans Street Fighter ou dans Dragon Ball Z. Travailler le grip, ça, il faut le travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Renforcer vos points faibles grâce à des exercices d'isolation. On a trop pensé à un moment que faire du fonctionnel, c'était ne plus travailler en isolation. Et là, on s'est perdu et c'est là où on a eu beaucoup de gens blessés. Donc non, en fait, il faut continuer à faire des exercices d'isolation. Ça ne veut pas dire on va passer 20 minutes sur chaque portion de chaque muscle. On n'est pas des bodybuilders. Mais par contre, il faut savoir renforcer ses points faibles grâce à des exercices d'isolation. Et c'est ce qui va peut-être des fois nous permettre de passer un cap. Donc il ne faut pas hésiter à en garder. Et faire d'ailleurs du travail fonctionnel, ça ne veut pas dire faire que du travail avec barre. Les barres, ce n'est pas fonctionnel. Okay? Changer d'outil, kettlebell, c'est génial. Medicine ball, wall ball, sandbag, voilà. Variez vos positions de pied, changez vos positions. Ayez pas les pieds tout le temps sur la même ligne, les pieds, un pied devant l'autre. Pourquoi? Parce que la plupart des actions motrices que l'on retrouve, ça sera toujours avec des appuis décalés. Donc arrêtez de faire des choses juste parce que sur les réseaux sociaux, on les fait. Changez les angulations. Travaillez pas toujours que comme ça. Travaillez comme ça. Quand vous faites le pousser sur un pattern de mouvement, ben, je pousse ici et je pousse ici. Règle des 90 degrés de Charles Poliquin. Optimisez vos temps de repos aussi. Pendant vos temps de repos, quand vous avez 3-4 minutes de repos sur un travail de force ou d'explosivité, eh ben, ne faites pas rien. Ce n'est pas le moment d'aller chercher un croissant et un café. Ok, il y a une phase où on va récupérer, mais profitez-en pour mettre du gainage, pour faire de la neuro, justement, pour améliorer encore votre série d'après, ou pour stimuler le système nerveux central pour pas qu'il redescende trop ou qu'il ait un moment de flottement parce que vous avez fait quelque chose de très intense à l'instant. Et faites de la visualisation avant de revenir sur votre charge. Vous allez refaire un squat lourd, et bien visualisez-vous en train de le réussir. Ça prend au moins 30 secondes. Donc 30 secondes déjà avant le bip, avant que vous recommenciez une nouvelle série, vous devriez être déjà au niveau de votre barre en train de vous imaginer de réaliser l'exercice. Très très important. On parle de tout ça aussi hein, sur la plateforme en ligne. Et ensuite, il faut consolider la structure et la motricité. Vous devriez mettre de la motricité partout. À tous vos échauffements, vous devrez vous voir bouger dans tous les sens, etc. Regardez des mecs comme Ido Portal. Voilà, bon, extrême, il est très mobile, etc. Il est très bon. Vous n'allez peut-être pas avoir son niveau, mais essayez de bouger beaucoup. Faites des animal moves, faites plein de choses. Faites de la motricité différente. Bougez de gauche à droite. Arrêtez d'être toujours figé à faire que des exercices sur les deux plans anatomiques que vous connaissez. Il y a d'autres mouvements à faire et il faut les travailler si vous ne voulez pas, si vous voulez pas bah, avoir des problèmes de déséquilibre ou si vous voulez même améliorer vos performances. Il faut travailler les trois plans de l'espace, les trois plans anatomiques. Consolider la structure, c'est quoi? C'est arrêter de faire du gainage de gnangnan. Le gainage statique, c'est bien pour se donner des bases, mais après il faut vite passer sur du dynamique et même, je dirais encore plus, sur du gainage lourd. Parce que c'est quand vous allez faire du gainage lourd que vous allez vraiment consolider votre structure. Et là, vous allez aller encore plus loin.
Voilà pour ce qui est de la programmation. Pour conclure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter, mais surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire un petit tour sur notre plateforme de formation en ligne et vous allez avoir plein de conseils. En plus, il y a un groupe sur Facebook où vous pourrez échanger quand vous serez dans la formation et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci. Nous sommes des bénévoles d'une fédération, on est là pour répondre à vos questions, ok? Donc n'hésitez pas, si on peut échanger sur n'importe quel domaine, et voilà, bah après personnellement sur les réseaux sociaux j'échange énormément, que ce soit sur ma page Fightform ou sur mon compte Fightform Instagram ou sur ma chaîne YouTube Adrien Chartier, j'échange énormément, je mets beaucoup de choses, d'exercices, de choses à faire, etc. Voilà, vous allez ressortir avec la formation qui, je l'espère, est la plus complète sur le marché. Et sachant que malgré le fait que j'ai déjà fait beaucoup de formations, même Sébastien qui a déjà fait énormément de formations, on continue, on est entre 3 et 6 formations par an, chacun. Donc imaginez comment ces brevets fédéraux ne font que s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions dans cette petite présentation. Merci.